Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Stuffy. Aujourd'hui, je vous présente les AirPods d'Apple. Alors, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de ces AirPods qui sont la tête d'affiche d'Apple maintenant, qui vendent des téléphones sans câble jack. Et donc, c'est leur première itération. Ils ont eu quelques mois de retard sur les livraisons. Et moi, je l'ai testé pendant une semaine pour voir ce que ça donnait vraiment à l'usage au quotidien. Les points positifs de ces AirPods, le premier pour moi, c'est l'intelligence qu'il y a à l'intérieur. Même s'ils ont une apparence simple de AirPod avec le fil coupé et une tige un peu plus longue, ils vont plus loin que ça. À l'intérieur, il y a une puce qui s'appelle la W1 qui permet de contrôler Siri et, par exemple, avec un double tap, de déclencher Siri et lui demander des infos classiques comme d'habitude ou de monter le son ou de changer de chanson. Ça, pour le coup, c'est un peu pourri parce que Apple aurait pu se servir de ce système-là pour monter le son directement sur les AirPods et créer des combinaisons de touches pour passer de la chanson à la chanson suivante ou à la chanson précédente par exemple. Autre point intelligent avec la puce W1, c'est simplement que quand vous enlevez un écouteur, la musique se met en pause. Si vous êtes sur un iPhone, ça ne marche pas sur Android et quand vous allez le remettre, la musique va se relancer. Donc ça, c'est un point assez sympa. L'intelligence de la puce, on la voit aussi sur le système de synchronisation. Alors, quand vous les recevez, vous mettez les AirPods à l'intérieur, vous l'ouvrez à côté de votre iPhone et la synchronisation se fait en quelques secondes et surtout, ça va synchroniser automatiquement avec tous les appareils que vous avez sur iCloud. Si vous utilisez un appareil Android, comme c'est mon cas sur mon téléphone perso, vous pouvez les utiliser en tant qu'écouteur Bluetooth classique et la synchronisation est aussi simple, mais comme tous les modèles qu'il y a sur le marché. Autre point fort de ces AirPods, c'est l'autonomie. Alors, l'autonomie est de 5 heures dans les faits, je suis plus aux alentours de 4h30 sur mes tests. Donc ça peut paraître faible par rapport aux concurrents, mais cette petite boîte qui est livrée avec permet de charger au total pendant plus de 24 heures les AirPods et surtout ils se chargent très très vite. Donc vous allez pouvoir très rapidement, en quelques dizaines de minutes, récupérer 2 ou 3 heures d'autonomie. Donc c'est quand même hyper pratique, vous pouvez partir en week-end clairement avec ces AirPods sans avoir de câble à prendre à côté. Il y a quelques points forts sur ces AirPods. Mais moi, j'ai vu plus de points négatifs à l'usage au quotidien. Alors le premier, ça vient de la forme. Ça ne me touche pas, mais ça touche certaines personnes de mon entourage et j'ai vu quelques tests sur le web. La forme des AirPods, c'est la même que celle des AirPods. Et Apple a fait le choix de faire des écouteurs qui aillent à la plus grande majorité d'oreilles possible. Mais il y a certaines personnes chez qui ça ne tient pas. Quand il y a un fil, c'est pas grave, vous pouvez le remettre. Quand il n'y a pas de fil, l'AirPod y tombe et après vous ne le retrouvez plus. Donc c'est plutôt dommage. Autre point purement subjectif sur les points négatifs, c'est celui du son. Moi, je ne suis pas fan du son des AirPods de base. Celui des AirPods est un petit peu meilleur, mais quand même pour ce prix-là, je pense qu'Apple aurait pu mettre un peu plus d'intensité dans son son, nous donner un son un peu plus complet et je trouve pas que ça vaille le prix tout simplement. Gros point noir, c'est le son du micro. Alors peut-être qu'avec une mise à jour firmware, ça va s'améliorer. Et pour l'instant, il est tout simplement dégueulasse. La différence entre les AirPods et ça, c'est le jour et la nuit. Et c'est très difficile de tenir pour votre interlocuteur une conversation au téléphone avec les AirPods. Autre point faible, je parlais du design tout à l'heure sur la tenue en oreille, mais le design en lui-même, il fait un peu chelou. Il fait un petit peu chelou quand même. Alors si vous regardez mes tests depuis quelques temps, vous savez que je finis toujours par cette petite question, est-ce que j'achète ou pas? Est-ce que j'achète ou pas ces AirPods? Déjà, je remercie Sylvain de Consomac, qui est un pote, qui me les a prêtés. Mais moi, je vais aller tout de suite lui rendre, parce que c'est hors de question que je mette 179€ dans ces écouteurs. Déjà, j'ai trop peur de les perdre. Il manque ce fil entre les deux que j'ai sur le Jaybird X2, par exemple. Le son n'est pas à la hauteur pour moi. Et le micro aussi, c'est juste... Enfin, je vous l'ai dit, c'est juste un scandale. Et si ça avait été moins cher, je l'aurais peut-être conseillé à l'achat. À 99€, je l'aurais acheté même. À 179, non. Avec un meilleur son peut-être, avec un meilleur micro certainement, mais là en l'état, non. Je vous remercie d'avoir aidé mon nouveau test sur la chaîne de Stuffy. Si vous l'avez aimé, pouce bleu. Si vous ne l'avez pas aimé, pouce bleu. Si vous avez des petites commentaires, suggestions, envie qu'on teste certains produits, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau test. Cette fois-ci, ce sera un objet connecté. C'est chelou. C'est chelou comme design. Sylvain, je te ramène ton truc.